d'abord l'ami et c'est d'abord l'amoureux du rugby. Amoureux d'un club, amoureux d'une ville. Alors l'amour, tout le monde le sait, que ce soit en privé ou en public, ça mène à des excès de parole, peu importe. Je ne dirais pas qu'ils se pardonnent, mais ils peuvent se comprendre.